training stage. Random, ok. Allez, c'est parti. Kindevu qui souhaite bonne chance à son camarade Eita. J'en fais de même pour les deux joueurs. Et notez l'utilisation de l'Ultra 2 hein, pour Eita, qui n'a vu que la défaite face au démon Luffy. Mais c'était Milo. Ah, un petit cul. Ah voilà, c'est bon. On les a tous. Début de mission. Eita contre Kindevu. Ouah, une envie d'ouverture. C'est assez sale comme ouverture quand même. Eita qui se retrouve directement au sol et qui repousse avec quelques petits points. Très bon dragon qui rattrape ici la saving de Kindevu. En fin de saving encore une fois. Voilà, ça fait whiffer les dragons d'Eita. Dragon par la qui se perd à la ronde. La belle épreuve. Il s'étise. Et allez, la Tasmania. Chouche. Wouah, la barre. Mais cette barre, mon sang. Elle est sur complétité par Magda, chance de sub-select. Mais Tai, il vit directement. Viens pas me chercher mes envies, mais téléport. Après tes points rendus, Macha. Et Tai qui se retrouve au zéro vital avec les demandes derrière, il téléport. Et là, Kindevu Capson select le dash. C'est-à-dire que sur la téléport, le dash sort et le poursuit immédiatement. C'est loin, c'est dire à quel point ils avaient l'habitude de jouer ensemble quand même tous les deux. Premier round donc par Kindevu, qui joue pour le moment très solide, veut éviter absolument la balayette de Gucci et ne pas se faire mettre au sol. Et ça va être... Non, Eita qui voit quand même des mouches ici, absolument je ne sais pas quoi, les mouches CC d'Afrique. Il essaye de dragonner malencontreusement. Belle shot trouvée avec ce setup ici de descente et le dragon cancel pour immédiatement safeiser l'Okizem. Attention à ces savings relâchés, le 2 qui a cassé par le X-Strike. Là qui n'a vu qu'à l'avantage à présent. Et très bon, encore décalage avec le cross-up. Il téléporte et là, Kindevu, mais oh là, je vais pas l'embrouiller. Il va encore m'en remettre une. Je le laisse tranquille. Ouais, très belle balayette. Le vortex d'Eita. Il décale les bas petits points avec le bas moyen un pied, malheureusement. Pas quand il aurait pu peut-être utiliser une barre d'ex pour remettre à terre avec Alex Hadoken. Bon, je sais pas pourquoi il prend ses boules là. Il doit chercher à placer l'ultra, à mon avis, Kindevu, mais il prend quand même quelques projectiles. Eita s'en rend compte, du coup, il rentre un peu plus loin là à l'attaque. Et malheureusement, tout le jeu aérien de Gouki avec les Hadoken est très difficile à gérer, surtout contre les persos qui ont des dash à la fois très bas et très rapide. Et Tak qui doit absolument se concentrer parce que là Kindevu prend l'avantage. Un match-up qui est certes pas facile, mais qui est largement à la portée de Gouki. Hein. Ouais, bien joué, pas mieux, un petit spear à la roue avec le strike gardé. Toujours les bas petits points, il sait quand il peut taper, quand il peut pas taper. Encore une fois, un spear à la roue, option select. Et spear à la roue, il rattrape avec encore la téléport d'Eita qui n'arrête pas de téléporter. Décidément, la peur s'installe chez le joueur japonais. Ah, Tatsumaki, balayette avec Demon HK et sans option select. C'est là le problème, c'est que pour elle-même aller plus loin sur les autres isèmes que ça soit pour les dragons quand on aime. Chatoun est en juggle et ouais, son main, option select téléport. Je sais pas ce que c'était que ça, mais en tout cas c'était assez particulier. Non. Ouverture de garde très étrange de la garde d'Eita qui est pas très solide. Et Kindevu qui s'offre une balle de match pour aller rencontrer Luffy en grande finale. Ah, ça va être dur, ça va être très dur pour Eita de gérer ce démon qui est Kindevu. Bon, regardez ces décalages, il décale, il fait pas petit point. Et là encore le strike qui rentre. Il a deux doigts du stun, je rappelle la barre en mousse de Gouki. Même sur le stun, bon, son arrière-gopier, il a trouvé la garde quand même. Ah, va mettre un kick, Bashka, ça va faire des combos. Mais au moins il l'a mis au sol. Mais pour les dragons, il est là en bas petit point pour contrer le premier du dragon côté. Et ce strike tout devant derrière, il ne sait plus. C'est tellement Kindevu ce combo. Stunfest. Kindevu roule sur Eita comme un véritable bulldozer et va devoir prendre sa revanche une énième fois contre Luffy. Match évidemment inédit.